Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Entre l'RDC et la Mauritanie au Cameroun, s'ils sont donc
vainqueur des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Côte d'Ivoire 2024. Et donc, une réunion au sein de la Fédération Congolaise de Football Association a encore prévu ce lundi 20 février 2023. Reprenons nos provinces cette fois, fin hier dimanche 19 février 2022, de la quatrième journée de tour du play-off de l'entente urbaine de football de Kisangani. Deux matchs étaient au programme à 14h local. Le FC Malaika a battu le FC Kili 2-0, nul de but partout entre le CS Espoir de Kisangani et le TP Scorpion. En basketball, pour terminer, le comité fédéral de la Fédération de basketball du Congo ne dort pas sur ses deux oreillers. L'équipe nationale doit faire le déplacement d'Alexandrie en Égypte pour prendre part à la sixième et dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité. On écoute Paulien Kabongo, président de la Fédération de basketball du Congo, pour d'autres précisions. Partie-là, on dit là-bas, et peut-être s'ils ne font compter que sur le gouvernement, nous ne serons pas au-delà de la compétition à l'heure dans le bureau exécutif général. Dans sa réunion de vendredi, avait évalué la situation et nous sommes dit, déjà nous avons des amendes, on devait payer déjà des amendes d'ailleurs, parce que c'était des amendes de 25 000. Ça va faire plus d'une année que le ministre du Sport avait signé ce document. Le ministre des Finances n'a jamais libéré cet argent. Alors si nous ne participons pas, non seulement nous aurons des amendes beaucoup plus fortes, donc variant entre 350 000 francs suisses et 500 000 francs suisses, mais nous avons aussi suspendu, ça va compromettre la participation de U18 à la Coupe du Monde du mois de mai. Donc le bureau est en train de voir avec le Congo et notre partenaire, donc nous allons surendetter pour voir si l'équipe peut se trouver sur la compétition, mais nous allons continuer à faire pression et nous espérons que le gouvernement non seulement mettra les moyens de cette compétition à notre disposition, mais payera aussi les intérêts de cette compétition. Fin de cette chronique des sports, ensuite du programme sur la table. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.